Je suis Mbeka Bibila Simone, assistante du directeur des risques de la banque. Cela fait 2 ans maintenant. J'ai commencé en 2020. J'ai fait 3 semaines, pratiquement un mois, à la caisse. Et juste après, j'ai postulé pour être assistante. Et c'est là que j'ai été retenue comme assistante du directeur de risque. On dit que la famille est la cellule de base de la société. Donc pour moi, en tant que épouse d'abord, c'est apporter de l'équilibre dans mon foyer. En tant que mère, c'est donner de vie et transmettre surtout les valeurs aux enfants. Et ensuite, en tant que femme, c'est accomplir ce pourquoi je vis. Pas seulement dans la banque, mais à l'extérieur, qu'est-ce que je fais, quels sont mes challenges, quelles sont mes aptitudes à ce que je développe à l'extérieur. Il y a une discipline particulière que je m'impose dans mon travail, c'est de me donner d'abord moi-même le respect. Et ensuite, on te donne en retour le respect. Ça permet à ce que tu ne te trouves pas assez arrogante. Et les autres personnes aussi, quand ils ne te le trouvent pas, ils viennent facilement vers toi et ils ont l'aptitude de t'aider dans un service et t'as la facilité aussi de le rendre, en fait. J'ai eu un apprentissage sur le tas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu à faire une formation bancaire. Donc, c'est tous les jours quand tu viens, ce qu'on te donne, tu es en train, en même temps, d'apprendre sur ça et en même temps, tu es obligé de donner un rendu sur ce qu'on est en train d'attendre avec un niveau un peu plus élevé. Donc, ça a été un challenge pour moi tous les jours de donner le meilleur de moi-même. Et ce qui m'a le plus aidé, j'avoue que c'est mon mari, parce qu'il est dans la communication. Donc parfois, j'étais obligée de lui demander d'arrêter ce qu'il faisait, de revoir ce que j'ai écrit sur le champ. Et voilà, et j'ai eu des formations au sein de la banque et j'ai eu aussi certaines formations à côté. Je pense que la banque pourrait miser davantage sur les candidatures féminines, voilà, et en externe. La banque pourrait rabaisser le taux de crédit, par exemple, des PME. Ça permettra à ces femmes de venir prendre des crédits aussi et de s'en sortir dans leur business.